guide du goalball, une présentation de Toyota. Inventé en 1946 en vue de favoriser la réhabilitation de vétérans de guerre aveugles, le goalball a fait son entrée officielle aux Jeux paralympiques en 1976. Il se joue par deux équipes de trois joueurs, soit un centre, un ailier gauche et un ailier droit, sur un court de 18 mètres par 9 mètres, divisé en trois zones de 3 mètres. La zone neutre, la zone de tir et la zone d'équipe. Les matchs sont composés de deux demi de 12 minutes chacune. Tous les joueurs ont une déficience visuelle et portent un masque opaque pour s'assurer que le match reste équitable. Le but du goalball est de marquer plus de points que l'équipe adverse en lançant le ballon de caoutchouc rigide dans le filet de l'équipe adverse. Vous devez lancer de l'intérieur de votre zone d'équipe et le ballon doit rebondir avant d'entrer la zone de tir. L'équipe adverse essaie de bloquer l'entrée du ballon dans sa zone d'équipe. Le ballon contient deux clochettes pour aider les joueurs à établir la position du ballon. Et les lignes de course sont surélevées pour aider les joueurs à s'orienter. Si un but est marqué, l'équipe défenseur devient l'équipe attaquante. Et si elle est bloquée, l'équipe défenseur prend la relève et a 10 secondes pour exécuter son lancer. Si l'équipe ne réussit pas, le joueur sera pénalisé et devra assurer seul la défense du but lors d'un tir de pénalité. Même si l'excitation est parfois à son comble, les entraîneurs, les joueurs et la foule doivent rester silencieux pour permettre aux joueurs d'entendre ce qui se passe.